Alors, MC, t'as l'image d'Épinal, t'as les motos, t'as la liberté, t'as la bande qui roule ensemble. Mais en réalité, quand t'en fais partie depuis un certain temps, tu cherches un petit peu à affiner ce que c'est. Et pour moi, après quelques années, je dirais que c'est un système juridique qui se construit autour d'une communauté de valeurs. Que les gens se rejoignent parce qu'ils pensent, ils sentent, ils font les mêmes choses ou de la même manière. Et le club, c'est en fait l'organisation en système de règles, avec des droits, des devoirs de cette communauté-là. Donc voilà, si je voulais définir, je dirais c'est un motoclub, en tout cas un motoclub 1%, qui est la définition qui m'intéresse. C'est un système de loi. Je ne fais pas partie d'un MC, je fais partie d'un MC 1% international. C'est autre chose. Un motoclub international, ce qui le différencie, c'est sa capacité d'organisation. Voilà. 1%, ce sont ses valeurs. Donc, nous n'avons rien à voir avec les MC traditionnels. Ah, mais de toute façon, moi, un club de balade, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai suivi une communauté. Donc, c'est un choix qui est pertinent pour les gens que la vie communautaire intéresse. Quelqu'un qui veut simplement rouler en moto et qui se dit, tiens, ce serait bien de rouler à plusieurs en moto, il rejoint pas un club 1%. Il rejoint une association, un petit club local, et ça lui convient très bien. C'est ce qu'on appelle un passionné de moto. C'est pas du tout le profil qu'on retrouve chez nous. Les gens aiment bien la moto, la moto c'est bien, rouler ensemble c'est très bien, mais c'est un club 1%, c'est beaucoup plus que ça. C'est ce que je t'ai dit au début, c'est une communauté de valeurs structurée à partir d'un système de loi. Pourquoi c'est une société alternative? Parce que nous pensons que la société actuelle ne nous va pas, ne nous va plus, qu'elle s'écroule progressivement. C'est la merde, c'est le gros bordel au jour d'aujourd'hui. En France, c'est le bordel. Elle est où la hiérarchie? Elle est où l'ordre? Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de hiérarchie en France. L'économie se casse la gueule, la sécurité générale ne va pas, les rapports internationaux s'écroulent, le mondialisme se casse la gueule, tout se casse la gueule. Alors, on essaye de se réorganiser à notre niveau. On se réorganise dans nos clubs, par chapitre, au niveau national, européen et mondial. Une organisation horizontale, ah, par chapitre. Voilà une des réponses. Et c'est en ça que c'est une contre-économie. Et c'est une contre-société. Parce que face à cette société qui nous est proposée, qui pour nous se casse la gueule, nous, on réorganise nos solidarités par nous-mêmes. Ben déjà, pourquoi pas, hein? Et puis surtout parce que bon, dans MC, il y a moto, il y a club. Je vais être franc, bien sûr que la moto est importante, mais pour moi, personnellement, ce que la question m'est posée, c'est le club qui m'intéresse. C'est l'organisation. Depuis 1982, je suis en bande. Donc naturellement, je veux rester en groupe, organisé. Voilà pourquoi je suis actuellement en motoclub. Il est toujours dans cet esprit communautaire. En fait, lui, il existe et c'est à toi de voir à quoi te servent dans ta vie de tous les jours, tes interactions sociales, humaines, etc. C'est la question qu'il faut se poser en tant qu'individu. Moi, je peux y répondre. Les interactions que j'ai avec mes semblables proches aujourd'hui, elles servent Grémium France. Voilà, je peux te répondre comme ça. Je peux dire que ma vie, mon existence est au service du motoclub. La plupart du temps, c'est un choix qui s'impose à toi. T'en as envie. Tu sais, je vais te citer un ami à moi que tu connais un peu. Un homme qui s'explique, c'est un homme qui s'excuse. Un motoclub, c'est pareil. Un motoclub n'a pas à justifier sa propre existence. C'est lui l'unité pertinente. C'est à toi de voir si tu es capable, si tu as envie de le rejoindre. Il faut l'imaginer comme la fin de l'Empire romain, ce monde, la fin d'une civilisation. Et ici et là, des monastères s'organisent, se construisent, qu'on appelle les chapitres, qui gardent les valeurs anciennes, les valeurs qui ont fait notre civilisation, comme les moines ont gardé le latin.
et permet, dans cette forêt sauvage qu'est le monde, d'avoir des points de civilisation, des points de valeur. Et c'est pour ça que on peut aussi penser que notre couleur est noire et blanche, parce que nous sommes un ordre. Un ordre qui, aussi étrangement que ça puisse paraître, garde ses valeurs. Un ordre en noir et blanc, un ordre un peu monastique, un ordre chevaleresque, un ordre à moto, comme les chevaliers teutoniques. Et c'est pour ça aussi que nous avons cet emblème-là, qui est aussi un emblème teutonique. Ouais, on peut faire ce parallèle-là. Parce que nous sommes dans la fin, nous vivons la fin de l'Empire romain. Alors on ne sait pas si ça va durer 5 ans ou 50 ans, mais on est dedans. Et notre réponse, c'est ça. Alors peut-être que toi, tu le vois par rapport à l'esthétique Mad Max. Hein, on fait souvent le rapprochement entre les MC et le survivalisme par rapport à ce film essentiellement. T'as pas de vrai lien, je crois pas qu'il y ait beaucoup de communication entre les clubs et les milieux survivalistes. Les milieux survivalistes, c'est fondé essentiellement sur l'autonomie économique, alimentaire, énergétique, etc. Il y a pas de ça, un petit peu par définition dans un motoclub. Hein, on roule sur des gros cylindres trop chers, c'est pas tellement résilient comme mode de vie. Par contre, le lien qu'on pourrait faire, bah déjà, il y a chez nous des gens qui l'ont pratiqué, le survivalisme, hein, en tant que militaire, le survivalisme en conditions extrêmes, etc. Donc c'est vrai que quand ils nous en parlent, c'est quelque chose qui existe. Ensuite, dans un deuxième temps, bah, ce que je t'ai dit sur la définition du MC, on se rapproche pas forcément d'une autonomie énergétique, économique, etc., mais au moins d'une autonomie philosophique. Hein, parce qu'on construit notre propre système de règles, on existe à l'international avec des gens, on a un lien et on a un réseau qui ne passe pas par aucun autre média quelconque. Donc cette autonomie-là, ouais, elle peut se rapprocher de gens qui voudraient se construire en clan autonome, si tu veux. Donc il y a peut-être un rapprochement qui pour l'instant ne s'est pas fait, mais qui pourra peut-être se faire à l'avenir. La devise « Le soleil ne se couche jamais sur notre empire », c'est sur les gremiums parce que nous sommes à peu près sur tous les continents. Voilà. C'est pour ça. Le soleil ne se couche jamais sur notre club. Ça, c'est un fait. Un des plaisirs de faire partie d'un club international, c'est que si demain, je veux aller au Mexique, au Venezuela, en Russie, en Thaïlande, je suis accueilli, nourri, logé, blanchi, sans question. Uniquement parce que j'appelle et que j'arrive, sans question. Ça, c'est une force. Le close combat est un sport de défense. C'est pas un sport d'agression. Si je le pratique, c'est parce que ça permet de développer des parties de ma personnalité qui m'intéressent. La volonté, parce que faire un sport, c'est une volonté. Développer l'esprit de corps, parce que ça se fait individuellement, mais aussi en groupe. Et le dépassement de soi. Voilà pourquoi c'est important. Bien déjà, c'est un club de formation européenne, pas américaine. Ça, c'est une rupture dans l'histoire des clubs et c'est ce qui m'a fait m'orienter vers eux. Être un club de pensée européenne, c'est axer le club sur la fraternité. Et c'est le point le plus important. En vérité, si on s'est rencontrés, c'est parce que on veut démontrer, on veut prouver que les clubs peuvent s'entendre. Je sais que dans l'inconscient collectif, il y a des guerres de clubs, des guerres de gangs, etc. Et nous voulons montrer que l'évolution des clubs passe par l'entente. Et d'ailleurs, nous le prouvons concrètement. Vous l'avez vu vous-même. Maintenant, ça change. Et nous faisons partie de cette nouvelle vague. Gremium fait partie de cette nouvelle vague. Avec d'autres.